Monsieur, bonsoir et puis bonne année. Nous sommes bien en 2022, la toute première édition de À vous la parole, l'émission tant attendue de cette semaine. Alors, on ne peut pas parler au Cameroun sans parler de culture. Et la qui dit culture dit famille Aïssi. Quand on parle de la famille Aïssi au Cameroun, on se réfère notamment à Chantal Aïssi, Aïssi le Duc, Imane Aïssi. C'est toute une famille célèbre qui œuvre dans la culture camerounaise. Aujourd'hui, on va parler justement de ce grand frère, de cet aîné, de ce homme-loi, justement, qui a tant fait parler de lui dans les réseaux sociaux et dans les médias et qui aujourd'hui nous déroule le tapis et on va parler pendant 1 heure et demie de toute son activité durant toute sa vie culturelle et qui continue toujours de faire relayer la culture camerounaise à travers le monde. On parle de Cannes, la Cannes Total Energy. On va aussi parler de Cannes culturelle parce qu'on parle de Cannes culturelle sans pouvoir oublier le MINAC qui justement lui décerne tout le temps des responsabilités concernant les fédérations. Alors sans plus tarder, nous allons présenter l'invité. Alors monsieur Aïssi le Duc, bonjour. Bonjour, Bonsoir, je veux dire. bonsoir, bonjour et Bonne bonne année, année, merci. Alors, santé morale et physique. ah, je reçois les bénédictions, vous êtes quand même Merci. un patriarche, hein? Ah oui, bien sûr, vous savez, les bénédictions de Dieu n'ont pas de prix. D'accord. Alors, le Seigneur, il passe par vous, peut-être pour me bénir, alors. Ok. Et oui. Ok, merci. Alors, merci d'avoir accepté d'être passé chez nous à Info Télévision. Merci, je vous remercie. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis invité, je suis honoré. C'est vous qui faites l'ouverture, la toute première émission de l'année. C'est une grande bénédiction pour moi. D'accord. Alors, on accueille la CAN Total Energy au Cameroun. Quel est le mot que vous pouvez dire, notamment concernant l'organisation et toutes les délégations qui sont là au Cameroun? Toute la gratitude à notre président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, D'accord. avec tous les efforts qu'il a faits pour que nous ayons cette énergie totale. La Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà, de la Coupe des Nations d'Afrique de football. C'est un grand événement et ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, C'est d'accord. arrivé que c'est le tour du Cameroun. Et voilà la réussite. Pour moi, c'est une réussite, c'est une victoire. On a passé des épreuves dures, dures, dures. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes le soleil du Cameroun nous a élevés. D'accord, le soleil du Cameroun nous a élevés. On va en parler durant toute l'émission. Alors aujourd'hui, on parle de Aïssi le Duc, on connaît le danseur, le chorégraphe, l'artiste musicien, peut-être le cuisinier aussi, hein. Et vous avez encore d'autres casquettes, conteur, écrivain. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ça? Mais on va d'abord commencer à vous présenter vous peut-être aux téléspectateurs, peut-être qui arrivent pour la première fois sur Info Télévision et qui regardent ce grand patriarche, le Zomloi. Je suis Fouda Aïssé Luc Séraphin. On m'appelle dans ma carrière Aïssi le Duc. Aïssi le Duc, pourquoi? Le Duc, j'ai dédié aux 10 régions du Cameroun, les danses unies du Cameroun. D'accord. Et Duc, qui veut dire en Béti, le noble, parce que Béti veut dire Duc, ce qui est noble. D'accord. J'ai déjà donné mon vrai nom. Je suis le fils d'Aïssi Ntsama et de Eyenga Fouda, D'accord. la première Miss du Cameroun 1960, Miss de D'accord. l'indépendance du Cameroun. Et mon père était l'un des premiers boxeurs champions de boxe Oui. en Europe, champion de l'Île-de-France en 57. Voilà, et nous sommes nés dans une famille qui a beaucoup de casquettes. Ce sont les dons de Dieu, les dons de l'esprit, parce que ça vient de nos ancêtres, de très très loin. Déjà, le nom de Fouda que je porte, c'est le nom de mon grand-père maternel, et c'est lui qui dansait comme ça, comme D'accord. nous dansons. Et c'est un bel homme, et en plus de ça, comme c'est venu de ses ancêtres, c'était chaque fin du mois dans la pleine lune qu'il D'accord. organisait la fête pour tout le village, parce que nos ancêtres, la vie, c'était l'amour du D'accord. conditionnel, l'amour désintéressé. Parce que dans l'amour, c'est dans l'amour qu'on retrouve la paix intérieure. Tu ne peux Effectivement. pas avoir la paix extérieure si tu n'as pas la paix intérieure. C'est très important. Et donc, je suis un Ewondo. On nous appelle D'accord. Mbumbune de Yaoundé, on fondit. Et Mangwan Vokfuda, Vokfuda de Noumayo, c'est le village de ma mère. D'accord. Et je suis le petit-fils des Etenga, Vokbasogo. D'accord. Et petit-fils de Vokmanga de Nkolmayang, les Baba, les Yanda, les Vokbelinga de Nkolfon.
D'accord. Donc, toutes ces origines, toutes ces tribus, c'est mes arrière-arrière-arrière-grands-parents, mes ancêtres. Et j'ai appris, parce que moi, j'ai grandi au milieu des vieillards. Tu ne peux pas marcher et rencontrer Dieu, non. Ce sont tes parents, ce sont tes ancêtres. Parce que ce sont eux qui t'ont mis au monde, tu n'as pas demandé à naître. Ce sont eux qui t'ont élevé et ce sont eux, tu dois beaucoup de bénédictions grâce à eux. D'accord. C'est très important et c'est ce message que je lance pour la jeunesse aujourd'hui. D'accord. Nous voilà édifiés déjà avec la toute première question. On a eu déjà eu beaucoup de connaissances qui est venue d'un Vok Belinga, un Vok Manga, bon, et tout. Vok Mbumbulu. Fouda, voilà, c'est tout un métissage culturel de la langue Béti. Alors, on va parler de danse aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez dans la danse? Quand on dit Haïssi le Duc, tout le monde se réfère d'abord à votre tenue vestimentaire très connue et puis la danse déjà du corps et de l'esprit, entre autres. Parlez-nous un peu de la danse. Déjà, je vous ai déjà dit que c'est un don qui vient de la famille. Mon grand-père maternel, Fouda Tabi Ongono, que je porte son nom de Fouda, un Vok Fouda de Nomayos, par Mbanko Momofu Akono. C'est lui qui avait porté ce message corporel. Voilà, pendant mon enfance, je le voyais avec tout, parce qu'il était polygame. J'ai vu quelques-unes de ses épouses. Ce sont ses épouses qui chantaient, qui composaient des chansons. Ses frères du village jouaient les tam-tams. Il y avait des concubines qui venaient aussi de partout. Les gens venaient de village en village. C'était un événement, venez voir. C'est comme ça, où un jour, c'est papa qui a amené ses amis. Il y avait même un ambassadeur des États-Unis. Ils sont venus au village, nous sommes venus au village. J'avais 9 ans. Au moment où la fête commence, il y avait un grand feu de bois, les tam-tams qui résonnent, le grand-père est en train de s'habiller, mettre les plumes, les peaux de bête et tout. Ses épouses chantent, ses concubines qui chantent, les maîtresses, les consorts. C'est là où il apparaît, il danse, il danse, il danse. À un moment, comme j'étais sur les bras de ma mère, c'est comme ça qu'il vient, il m'a pris. Il m'a ramassé comme si c'était un objet, il m'a mis sur la cour et j'ai commencé à danser sans condition. Parce que quand vous entendez les initiations qui ont des conditions, c'est des initiations à problème. Ah, voilà, parce que Dieu ne donne pas de conditions. Dieu nous a donné la liberté, que nous sommes des dieux qui viennent de lui. Et nous avons tous, c'est à nous de gouverner, c'est à nous de gérer nos actes. À partir du moment qu'il y a des conditions, il y a un problème. Tu deviens esclave de quelque chose que tu ne pourras même plus arriver à gérer. Voilà, des forces qui vont te dépasser. Donc, j'ai été initié naturellement, spirituellement, sans condition. On ne m'a pas envoyé dans la forêt, dans la brousse, aller rencontrer les génies qui vont me donner des conditions, aller me faire avaler des choses qui vont me dépasser dans ma vie. Non, je n'ai pas fait comme les autres ont fait. Déjà aujourd'hui, je ne fais pas mon âge, j'ai déjà 60 ans. Oui, bien sûr. Cette année, vous avez Voilà. 60 ans, Et oui. 40 ans de carrière. Ça, c'est une hygiène de vie. Parce qu'en Béthi, on dit, Ngoua, qui ici? C'est-à-dire que si tu veux vivre longtemps et dans la beauté, il faut une hygiène de vie. Voilà. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas des excès. Il faut un équilibre avec la nature, avec le monde, avec l'univers. De l'harmonie. C'est ça le secret. Oui, là, on parle beaucoup de spiritualisme, justement, beaucoup de dons qui vous ont été transmis de vos ancêtres, de vos parents, entre autres. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes un grand danseur et vous avez fait le tour du monde. Comment a consisté le début de votre carrière? Comment vous commencez déjà, vous dansez? À quel âge vous commencez à devenir professionnel? Vous êtes allé en Occident, vous avez fait plusieurs pays, représenté le Cameroun un peu partout. Racontez-nous un peu votre parcours. Déjà, étant jeune, j'étais à l'école, j'ai fait l'école primaire Saint-Joseph de Mvolyé. Et après l'école primaire, j'ai fait le séminaire Sainte-Thérèse de Mvolyé. Parce que moi, je n'ai pas eu de diplôme d'école. Mes diplômes, c'est dans l'art, jusqu'aux médailles. Et j'ai arrêté l'école en classe de troisième, de moi-même. Papa m'a donné l'argent pour aller à l'école. Je reviens avec l'argent l'après-midi. Je lui dis, je ne fais plus l'école.
Au moment où il se soulève pour me dire, mais pourquoi j'ai pris la fuite? Je suis allé au village de mon grand-père maternel à pied. À l'époque, c'était 37 kilomètres. Aujourd'hui, c'est 17 kilomètres par l'axe lourd Yaoundé Douala. Je suis arrivé au village toute la nuit. Vous savez, à l'époque, c'était encore la forêt partout. Et je suis arrivé toute la nuit à Nomayos, la poussière et tout. On voyait que les petits yeux. J'arrive au village, je frappe à la porte. On demande c'est qui, avec ma petite voix, une main. Et les épouses de mon grand-père, elles ont reconnu ma voix. Et c'est comme ça qu'elle commence à sortir. Un autre époux est venu. Elle croyait que j'étais avec les parents, alors que j'étais seul. Quand ils m'ont vu seul, il n'y avait pas la lumière à cette époque. C'était des lampadaires à pétrole, des torches et tout. C'est là où ils ont commencé à me voir. C'est d'où tu viens? C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Grand-père leur a dit, ne posez plus de questions. Chauffez de l'eau. Et c'est là, vous lui donnez à manger. On attend le matin. Et c'est tôt le matin que mon grand-père me réveille. Il me dit, Ambom, raconte. Car m'a dit à l'autre. Et je lui ai dit. Parce qu'étant à l'école, il n'y a que moi qui vivais les phénomènes qui montraient que, voilà, je serais une personnalité au Cameroun et que je serais un guide spirituel à travers la danse, de l'art, la culture. Ça va parler et les réceptifs vont recevoir. Ceux qui ne sont pas réceptifs, ils ne vont rien comprendre. Et c'est comme ça que je vivais les phénomènes que beaucoup de gens ne comprenaient pas, qui ne savaient pas. C'est comme ça que j'avais décidé de ne plus aller à l'école. Le Et vous grand-père avez m'a quel âge ramené. à peu près? J'avais 12, 13 ans. 13 ans, d'accord. Voilà, j'avais Un 13 ans. préadolescent, Oui. oui. Parce que je sortais du séminaire, puisque c'est là où j'ai dit stop à l'école. Et c'est le grand-père qui me ramène à Yaoundé pour faire une réunion de famille. Et grand-père a dit à mon père, l'enfant a laissé l'école de lui-même. Il faut le laisser. Il faut le laisser voir. Et à l'époque, on ne pouvait pas parler de la danse ou de la musique. C'était des choses de voyous. Voilà. La danse, c'est des choses de femmes. Ceci, cela, on racontait de tout. Il faut aller à l'école pour devenir ngwamna, pour devenir un gouverneur. D'accord. Voilà, c'était ça. Voilà, je suis resté. J'ai fait un an sans parler avec papa. Et maman me soutenait. Ça fait qu'il y avait des groupes de danse dans les quartiers. À l'époque, c'était le parti unique de l'ex-président du Cameroun à l'époque. Et les groupes de danse, quand il y avait des événements, il y avait des groupes de danse, il y avait une sorte de concurrence, des groupes qui gagnaient et tout. Et à chaque groupe que je dansais, c'est ce groupe qui gagne. Ah, Donc, il y d'accord. avait des bagarres entre les quartiers à cause de moi, parce que c'est chaque quartier qui voulait que j'aille danser de leur côté. Et ça fait qu'à l'âge que j'avais, un jour, la première fois que je reçois ce qu'on appelle aujourd'hui farotage, oui, c'était l'ex-chef de l'État du Cameroun, Amadou Ayou Diopaye à son âme, qui rentre d'un voyage à l'aéroport, l'ancien aéroport de Yaoundé. Il descend de l'avion, il y avait des groupes de danse. Voilà, à la piste même de l'aéroport. C'était mon groupe qui était en premier. Le chef de l'État et son épouse sont arrivés. Ils étaient là à me regarder danser. L'enveloppe qui est sortie, hein, une enveloppe kaki, après on a compté, c'était 1 500 000. Ma première fois, et à l'âge que j'avais à l'époque, avant même d'être professionnel. Voilà. La Donc, première enveloppe, 1 000 000 de francs CFA. 500 000 dans une enveloppe kaki, parce qu'on a compté ça après. Donc ça fait que j'ai continué comme ça, les fêtes dans la famille, des événements culturels, jusqu'à ce que j'ai été retenu au Ballet national du Cameroun. Voilà, à l'époque. Et après le Ballet national, c'est en 1982 que je prends une décision d'être professionnel. 1982. 82, effectivement. Voilà. Et c'est comme 39 ça. ans, ouais. Voilà. Ça fait que
Beaucoup de stars, de vedettes camerounaises me sollicitaient beaucoup. Déjà, j'ai travaillé dans le club Manu Dibango D'accord. 2 ans. Et voilà, il y avait les Toto Guillaume, il y avait les chanteurs du Bikurci, Anne-Marie Ndiaye, Marthe Zambo, Titi Edima, Betty Betty, Anne-Marie Ndiaye. Voilà, il y avait aussi beaucoup de musiciens de Makossa qui me sollicitaient beaucoup, comme D'accord. Koti François, voilà, et bien d'autres, les Jejongalais. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi au milieu de tous les artistes, que chaque artiste me sollicitait. Oui. J'ai dansé avec les artistes du Douala, j'ai dansé avec les artistes de l'Ouest, Pierre Didi Tankunté, et j'ai dansé les artistes de l'Ouest, du Nord, Ali Baba, qui était D'accord. aussi l'un des meilleurs danseurs de l'époque. Voilà, c'était comme ça que j'ai grandi au milieu des 10 régions du Cameroun. Et ça fait une lumière. Ou Oui. quand je suis sur scène, pourquoi je deviens un grand danseur? Parce que je n'étais pas comme tous les autres danseurs. J'ai représenté les 10 régions en 3 minutes ou 4 minutes. Où je me retrouve au même moment, à l'ouest, au centre, au sud, au nord, au nord-ouest, et au même moment. Et chaque tribu dans la salle, parmi le public, chacun reconnaissait les pas, les mouvements de son village. Ah, Et d'accord. c'est ça qui faisait de moi ce phénomène. Parce que dans une seule musique, je te fais le tour du Cameroun, avec D'accord. des mouvements de danse. Alors, et comment se passe votre voyage en Occident? Comment est-ce que vous arrivez là-bas? Parce qu'on vous a vu dans plusieurs pays représenter le Oui, Cameroun. c'est le Cameroun qui commence à me solliciter pour aller, le gouvernement camerounais qui me sollicitait pour aller représenter le Cameroun à l'étranger, des festivals internationaux. Oui. J'ai fait 3 Coupes du Monde Ah, avec d'accord. les Lions Indomptables du Cameroun. Ah, ça tombe Voilà, bien. j'ai fait des festivals internationaux, des grandes foires pour Ah, des fois, ouais. représenter le Cameroun. Parce que certains artistes confondent représenter le Cameroun au niveau international, c'est-à-dire politiquement, socialement, même au niveau religieux. Ah, Ils d'accord. confondent au phénomène de c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire? Un Parce phénomène peut-être de masse de concernant masse entre Camerounais. voilà, Non. effectivement. Quand on est en Europe pour représenter le Cameroun, ce n'est pas dans les milieux des Camerounais. Voilà. C'est l'Europe. D'accord. Parce que les Blancs veulent nous découvrir. Parce qu'ils sont riches à cause de nous. Bien Toutes sûr. les richesses d'Afrique sont chez eux. Vous D'accord. faites toutes les musées, c'est l'Afrique. Et c'est des milliards par jour. Et D'accord. c'est ce que nous, les Camerounais, ou les Africains, n'arrivons pas à comprendre, que des choses que nous, on néglige au Cameroun, ça fait des milliards en Europe. Voilà. Donc, ça fait que mes confrères camerounais qui sont artistes, quand ils partent du Cameroun, je m'en vais représenter le Cameroun en France, en Europe. Quand ils arrivent, ils se retrouvent entre eux. C'est pas mauvais. Mais il faut aller plus loin. Parce que les Camerounais aussi en Europe, ils ont besoin aussi de nous, de venir aussi les rencontrer, Bien parce sûr, la qu'ils organisent, diaspora la camerounaise, diaspora, ils voilà. organisent des grandes soirées, ils ont aussi des associations Oui. caritatives et tout. C'est bien beau. Mais il faut aussi aller au-delà pour mieux vendre. Voilà, l'art du Cameroun, on a besoin de ça. Nous sommes peu qui sommes arrivés à ce niveau. Nous ne sommes pas beaucoup. Voilà. Donc, je suis en train de faire tout et tout, tant que Dieu me donne de la force, de l'énergie, d'amener la nouvelle génération à aller au-delà. D'accord. Voilà. Bon, c'est la jeunesse camerounaise qui vous écoute ce soir. Alors, on veut bien savoir qui est Ahissi le Duc, ce qu'il a pu faire déjà de sa carrière. Et c'est vrai que vous êtes aussi écrivain. Il y a un livre qui est sorti, Art de la danse et spiritualité, qui est sorti en 2008 aux éditions L'Harmattan. Oui. Parlez un peu de ce livre. Déjà même, c'est 2 livres. D'accord, c'est deux livres. Ok. C'est 2 livres parce que le premier était en 2005, toujours en France. Quand j'étais aussi, pendant ma jeunesse, mon grand-père me disait, Ambom ou Ebom Intili. Cela veut dire que mon petit-fils, tu vas écrire. Le monde entier va te lire. Et les gens seront étonnés de tes messages. Mais je ne comprenais pas ces messages de mon grand-père. Je me posais toujours la question, pourquoi mon homonyme me parle ça? Mais quand c'est arrivé l'inspiration, c'est-à-dire ça descend, tu prends le bic, tu écris. D'accord.
Voilà. Oui, c'est spirituel quand même C'est l'écriture. spirituel. Tu Oui. écoutes, c'est-à-dire des messages qui viennent, tu écris. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et D'accord. ça fait qu'un jour, le premier livre même, le titre était Mabre. Mabre veut dire je porte. Je D'accord. porte Dieu. Parce que nos ancêtres, Betty et Kam, Africara, ils s'appelaient Dieu Mabre. Mabre Zamba. Je porte l'amour, je porte Dieu, je porte l'esprit. Et c'est comme ça que le titre est venu. Que voilà, ces messages et le titre sera Mabre. Et c'est le titre là qui est sur le premier livre. Je D'accord. ne savais pas comment faire pour arriver à éditer. C'est un Français qui était curieux. D'accord. J'avais un synopsis, il a vu, il a lu le titre en ma langue et il me demande, cela veut dire quoi? Je l'explique. Il ouvre au hasard, il me dit, mais c'est toi qui écris ça? Je dis, oui, mais il faut trouver une édition. J'ai dit que moi, je ne sais pas comment ça se passe. Il me dit, il y a un concours qui se passe, le Panthéon de France. Ils ont une édition. D'accord. Voilà. Je pense que Et bien vous sûr. voyez qu'est-ce que c'est le Panthéon. Oui, c'est un monument, le Voilà. Panthéon, les On reconnaît les Invalides. grands, voilà, Voilà. les grands esprits, Voilà, les gens qui ont effectivement. fait des grandes choses. Effectivement, ils sont Voilà. Ils représentés. sont représentés au Ouais. Panthéon et c'est les éditions du Panthéon. Que ce monsieur me dit, propose. Je lui dis, je suis le seul noir. Ça, c'est les affaires des Européens. Et ils ne vont pas m'accepter. Il me dit, essaye, parce que ce que je suis en train de lire là, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, Oui. d'entendre. Les gens comme toi, si c'était avant, c'était des gens qu'on persécutait tous les jours. Parce que vous dites des vérités. Oui. Vous ouvrez les yeux aux gens. Ça fait qu'il a pris. Comme lui, il connaissait l'adresse, il l'a envoyé. Et j'avais fait un voyage pour la Mexique. J'avais eu un contrat de 3 ans avec la Mexique. Quand je rentre, je trouve un courrier. J'étais sollicité sur plus de 3 000 candidats. Et il voulait que 3 personnes. Et j'étais parmi les 3 personnes. Vous voyez? Et il y avait déjà l'audience d'aller rencontrer le grand patron du Panthéon. Il voulait, par curiosité, il voulait me voir, me D'accord. rencontrer, me poser certaines questions parce que j'étais le seul noir. Ah, d'accord. Voilà, c'était comme ça. Et c'est comme ça que je suis allé au rendez-vous. Il me regardait, il était venu me poser des questions. Je lui répondais, il me dit, mais tes origines, est-ce que je lui dis, déjà, nous, on se retrouve en Afrique. Hein, équatorial, nous venons tous depuis l'Égypte, le Soudan qu'on appelle aujourd'hui Soudan, c'était Kouch. D'accord. Hein, c'était Kouch qui veut dire la peau noire. Dieu qui a pris corps avec la peau noire. C'est Ah, comme ça que d'accord. ça s'explique à l'époque. Et c'est le Kouch qui part créer l'Égypte. Ah, Ils ont d'accord. traversé le fleuve. Ils ont créé l'Égypte parce que les maquettes des pyramides de l'Égypte étaient faites au Soudan, Ah, qu'on d'accord. appelait à l'époque Kouch, Couche, la d'accord, peau noire. effectivement. Mais on édifie ce soir, hein, parce Voilà, que Dieu qui là. s'est fait noir, qui a pris le corps, D'accord. hein, c'était comme ça. Et c'est comme ça que je l'explique ça. C'est un grand savant, le monsieur, mais il me sondait. Je lui dis, bon, nous, on se retrouve en Afrique équatoriale, c'est la marche de nos ancêtres, mais nous sommes venus de l'autre côté, et les premiers noirs égyptiens, hébreux, juifs, c'était noirs. C'était pas la peau Oui, ça c'est blanche. comme l'a expliqué Cheikh Anta Voilà. Diop dans Et ses je lui dis ouvrages. que, voilà, la mère de l'humanité et le père de l'humanité, les deux hommes, Adam et Ève, c'était des noirs. D'accord. Voilà. C'était des D'accord. noirs. Et c'est en Afrique que Dieu a pris corps. D'accord. Le patriarche nous Voilà. explique un peu, C'est en Afrique. voilà justement l'origine de la race noire. Alors, on parle toujours d'art et de culture. Vous avez aussi commis un second ouvrage, Art de la danse et spiritualité. Voilà, ça vient Voilà. avec l'Harmattan, après les éditions du Panthéon. Oui. Et le Panthéon voulait que je continue le contrat. D'accord. Mais le livre était vendu que dans un cadre, alors que je voulais que le livre soit publié le monde entier. Et c'est là où j'attends la fin du contrat. Ils attendaient que je veuille renouveler. J'ai dit non, Ah, d'accord. j'arrête. C'est après que je propose à l'Harmattan et qui a pris tout de suite. Voilà le deuxième D'accord, le livre qui est deuxième livre, sorti, qui continue voilà. à Et sortir. le contenu du livre, ça parle de la danse en général, ça Oui, parle de ça parle de spiritualité. tout, la vie quotidienne, danse, spiritualité, la vie quotidienne, qui nous sommes. Oui.
C'est-à-dire, On s'interroge sur la personne, sur voilà, et les gens, l'ethnicité. c'est comme ça, tout le monde se reconnaît sur les messages. D'accord. Parfois, je peux te donner ce livre, je dis, médite et tu ouvres au hasard. Ah, Tu le d'accord. fais, tu vas trouver une question, Il une réponse faudra qui te vraiment qu'on se le procure, cet regarde. ouvrage. Il y a des messages qui continuent d'arriver. Bonsoir, bonne année. On peut savoir pourquoi vous ne dansez pas le mbolé. Vous connaissez quand même la danse mbolé. Mbolé, pourquoi je danse? Pourquoi? Quand je suis à la maison avec mes enfants, les amis aussi, pourquoi? Je danse, mais il y a danser et danser. D'accord. Parce que de l'art, il ne faut pas rendre de l'art ridicule. Ah, Le d'accord. mbolé, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est à vous de le rendre valeureuse, cette musique, parce qu'il ne faut pas être ridicule. Oui. D'accord. Vous savez qu'on se condamne toujours par le verbe qui sort de notre bouche. Après, on va accuser les gens. Oui. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est une énergie. C'est Oui. toi qui as créé. Tu crées quelque chose avec ta parole. Le verbe là, si c'est positif, vous allez voir la lumière et ça va nourrir tout le monde. Si c'est négatif, il y aura des conséquences. Bien Les enfants, évidemment. les adultes, le pays même, le monde. D'accord. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'art. Le premier artiste, c'est Dieu. D'accord. L'homme, le premier, la première force de la culture, c'est toujours Dieu dans la culture. Dieu lui-même, c'est la culture. Quand on parle du Big Bang, la première lumière qui apparaît, c'est déjà de l'art. Bien sûr. Et le son qui sortait quand il y avait le Big Bang, c'est là où la parole sort. Et de la parole, on a tout ce que là, on a la musique, on a les chants, on a tout ça. Il faut comprendre ça. D'accord. Dans le mbolé, ce n'est pas quelque chose de mauvais, de mauvaise. Il faut le rendre propre. C'est-à-dire Il faut rendre propre. éviter les paroles négatives. Parce D'accord. que ça détruit. C'est bien beau, c'est dans la mode. Mais si les paroles sont négatives, ça ne va rien donner. Ce n'est que la destruction totale. Et D'accord. eux-mêmes, ils le savent. Parce que c'est le feu de paille. Ça ne peut Oui. pas durer. Aujourd'hui, ça fait du bruit. Après, ça finit. C'est autre chose qui va arriver. D'accord. S'ils veulent que le mbolé dure, il faut que le mbolé là soit un cadre qui forme les mentalités. Parce D'accord. qu'on a un problème aujourd'hui de mentalité. C'est à cause des mentalités qu'on a des problèmes dans le monde. Oui. Et notre Cameroun, les gens ne veulent pas changer de mentalité, mais ils veulent le changement. D'accord. Non. Change déjà D'accord. d'abord. Si tu n'arrives pas à bien ranger ton lit, qui viendra ranger ton lit? Tu n'arrives pas à balayer ta cour. Oui. Hein? Il y a les poubelles partout. Donc, ce qui doit venir, c'est un homme qui va quitter là-bas, venir balayer ta cour, alors que D'accord. tu as les deux bras, les deux pieds, que tous les matins, la propreté, là, c'est là où le paradis commence. La D'accord. propreté. Nous allons continuer à lire les messages. Bonsoir, madame, sur le plateau. Bonsoir, monsieur Aïssé le Duc. Dites-moi si vous êtes mariée. Sinon, je suis candidate, mademoiselle Béala Alor Abafia. Elle vous demande un mariage. Voilà, vous avez déjà une demande en mariage. Il n'y a pas un problème si vous venez en mariage, mais il y a déjà une prétendante qui est là. D'accord. Voilà. Mais vous avez Mais quand même je me des. suis marié déjà Oui. avec une Française depuis 1998. Oui, on vous a vu avec votre fils, Voilà. qui aujourd'hui, il Et a quel âge, votre enfant, votre garçon, 22. à 22 ans. Près de D'accord. 2 mètres. Oui, on a vu Elle est avec quelques sa mère images. là-bas. Oui. Et vous allez voir que depuis 98 que je me suis marié, c'est Roger Mila qui était mon parrain. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Et ça fait que je suis un père de famille. Les gens parlent, je les laisse parler. Bien sûr. Et c'est lui qui a la malchance, c'est là où je peux cracher sur lui. Et vous me connaissez bien, hein, quand ça ne va pas. Mais je les laisse parler, ils ont le temps. D'accord. La maladie de l'occupation. Oui, vous êtes un artiste, vous savez, quand vous êtes artiste, une personnalité publique, on va toujours parler de vous. Alors, nous allons prendre un dernier message avant de faire entrer un adage. Très édifiant, votre message sur le mbolé. Merci, mon père. Gianni Richard Hagbe depuis Nkwabang. Alors, nous allons accueillir un adage qui a justement les questions des internautes. Sans plus tarder, nous allons prendre cette rubrique.
Alors, nous sommes bien de retour sur À vous la parole, cette première de 2022. Nous allons accueillir maintenant Nadia Jugan. Nadia Jugan, bonjour et bonne année. Bonjour Odile, merci, bonne année. Comment tu vas? Ça va. Alors, on te souhaite aussi beaucoup de bénédictions. Nous avons un patriarche sur le plateau qui va pouvoir nous donner aussi ses bénédictions. Je te laisse entre les mains du patriarche. Sa Majesté a ici le Duc. Bonsoir et bienvenue chez nous, chez vous. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très très bien. Très belle tenue africaine. Merci beaucoup. C'est votre confection? Exactement, alors... c'est ça. Il faut savoir valoriser son art, son pays. On n'a pas à envier ce qui vient des autres. Nous-mêmes, on a des choses qu'il faut valoriser. D'accord. Alors, vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. Bien évidemment, apprécier certaines questions ouvertes. C'est bon le principe. Je suis prêt. On peut y aller. D'accord. Votre maman a été première Miss Cameroun, Miss Indépendance. Cette notoriété a-t-elle eu une influence sur votre carrière? Je peux dire non. Pourquoi? Nous avons des dons innés. Maman a été d'abord élue Miss Yaoundé, Nyon et Sanaga, en 1959. C'est de là qu'on l'amène aux élections de Miss Indépendance du Cameroun. Elle est l'unique. Ça fait que les enfants qui naissent, tu vois, il y a cette influence. Et je suis l'aîné de 9 enfants qui captent la chose et qui entraînent mes frères et sœurs. Donc l'influence était positive, ce n'était pas négative, parce qu'il fallait une continuité qui vient de très loin de nos ancêtres. Je me suis même limité au niveau de mon grand-père maternel. Arrière et arrière, ça vient de chez les Mvelo et Mbouni. Voilà. Et les Edouma, où nos grands-pères étaient des rois. À l'époque, avant même que les colons arrivent, c'est que les colons qui ont amené ces chefs de regroupement. Avant, on n'avait pas de chefs de regroupement, on avait des rois. Comme vous voyez le sultanat, le Lamido au nord. Comme vous voyez à l'ouest du Cameroun, il y a encore des rois. Voilà, c'est comme ça que c'était chez nous, les Béti, les Ekans, avant. Donc ça fait que nous, on a grandi avec cette influence positive. Ça n'a pas dérangé. D'accord. Haïti, le Duc n'est plus encore à prendre. Plus de chance pour les Africaines, pour les Camerounaises. Moi, je dis tant que j'ai la vie, j'ai toujours quelque chose à donner. C'est ce que je demande tous les jours à mes ancêtres, au bon Dieu, de me donner toujours de l'énergie, de la force, de donner. D'aider ceux qui veulent vraiment grandir spirituellement dans le positif pour notre pays et pour nos familles. D'accord. Êtes-vous pour ou contre l'homosexualité? Je ne peux pas juger parce que la nature a ses mystères. Je ne peux pas me mettre à juger. Ceux qui jugent, c'est leur problème. Parce qu'on dit, tu juges l'autre, mais toi-même, tu seras jugé double. Êtes-vous pour ou contre? J'ai dit, je ne juge pas. Je ne suis pas pour juger la vie des gens. Je suis né pour guider les gens. Je ne suis pas né pour les juger. Quand on commence à juger les autres, on est hypocrite. Je n'ai jamais vu un péché qui est plus lourd que l'autre péché. Tous les péchés sont les mêmes, si c'est un péché. Donc je ne suis pas là pour juger l'homosexualité ou les voleurs. Non, je suis là que pour guider. D'accord. Et je ne suis pas là pour regarder la vie des gens. Chacun a sa vie. Chacun a son expérience de la vie. Ceux qui s'occupent de la vie des autres, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils n'ont même pas la force de s'occuper de leur vie. Donc, ils ont la maladie d'occupation. Quand tu as de la connaissance, occupe-toi de toi-même. Si tu vois que l'autre fait des erreurs, il faut le conseiller. Ne te mets pas à l'insulter, à dire n'importe quoi. Est-ce que toi-même tu es saint? Toi-même qui parles, si on entre dans ta vie, tu es pire. Tu es pire. Parce que ce sont des hypocrites. Ceux qui parlent là, quand tu entres dans leur vie, c'est des pourris. Mais
On dit que l'ignorance est la sœur jumelle de la mort. Quand on est ignorant, c'est l'ombre de la mort. La connaissance donne de la vie. Quand tu as la connaissance, tu as la vie. Et tu ne peux pas te permettre à dire n'importe quoi à l'autre, à juger l'autre. Non. Comme tu connais beaucoup, médite pour lui, pour la personne. Prie pour la personne. Prends-lui comme ton amour inconditionnel pour le guider. Ne le lance pas des pierres. Voilà. D'accord. Quel rapport entretenez-vous avec vos frères et sœurs? Comme toutes les familles. Toutes les familles sont les mêmes. Et chacun a son esprit. Quand tu fais des enfants, les enfants te ressemblent, mais tu ne connais pas quel esprit que tu as mis au monde. Voilà. Chaque personne a sa personnalité. Donc, dans toutes les familles, il y a des hauts et il y a des bas. Ça ne va pas enlever. Je n'ai pas choisi une famille pour naître. D'accord. Je n'ai pas choisi d'être l'aîné. L'aîné, ça reste l'aîné. Le soleil reste le soleil. D'accord. Que vous voulez, que vous ne le voulez pas. Et je le démontre. Voilà. Et vous, en bon terme. Et voilà, en bon terme. Avec Chantal ici. Voilà. Eux-mêmes qui sont en train de parler dans leur famille, c'est comment là-bas? Voilà. Parce que c'est tellement facile quand quelqu'un se met à parler d'une autre famille et vous-même dans vos familles. Monsieur, ici, ce sont des questions voilà. Des internautes. C'est ça. Je suis en bon terme avec votre soeur. Je suis en bon terme avec elle. Elle a sa mentalité. Je suis l'aîné quand je le dresse et je le dresse qu'elle le veuille ou pas. Ce n'est pas les choses de l'Internet. L'Internet, c'est la sorcellerie. C'est face à face comme elle était là. Le dernièrement, c'est moi qui lui ai demandé de venir au Cameroun. Et elle est venue devant moi, ce n'est plus l'Internet. Elle ne peut pas broncher. Et je vous le dis devant tout le monde au Cameroun, ce n'est pas les choses de l'Internet, c'est face à face. Je suis le père de Chantal Aïssi. Je suis son frère aîné. Je suis son ancêtre. Elle ne perd rien. Si je me fâche d'elle, ça va devenir autre chose. Parce que je n'ai pas demandé à être l'aîné. Elle est jumelle avec un garçon. C'est une grâce. Voilà. Elle-même, elle ne dort pas puisqu'elle me le dit. Que quand il y a un conflit avec moi, elle n'a pas sommeil, elle ne dort pas. C'est elle-même qui porte le poids parce que le dehors, on le trompe. On le trompe dehors. Comment tu peux tourner le dos à ta famille pour la gloire éphémère? Et c'est les gens qui ont aussi leur famille. Que toi-même, tu ne peux pas faire, tu ne pars pas là-bas pour faire le désordre. Mais toi, tu ouvres ta porte pour qu'ils viennent faire le désordre chez toi. Est-ce qu'elle-même n'est pas fait le désordre dans les autres familles? Non, parce que les autres ne peuvent pas permettre ça. Ils ont peur de leur famille, ils respectent leur famille, mais ces démons sortent pour venir détruire les autres familles. Et là, il ne faut pas parler. Quand tu parles, on te traite de tribaliste, de méchant, de tout. Je m'en fous. C'est ma famille que je protège et je continue à le protéger. Comme je protège Chantal Aïssa elle-même. D'accord. Elle est venue là, elle est rentrée soulagée. Parce que c'est ça que je voulais, qu'elle rentre dans la famille. Parce qu'elle était déjà abandonnée aux égrégores. Et vous-même, vous savez ce qu'on appelle l'égrégore. Un égrégore, c'est un monstre qui avale tout. Voilà. Donc, elle a eu affaire au monstre qui attendait d'elle que les intérêts, l'argent. Parce qu'elle a une faiblesse qu'elle donne. Elle donne. Elle n'est pas égoïste, elle n'est pas radine. Donc, les ingrats, les sorciers, les sorcières, là, au lieu de venir d'être reconnaissants, ils viennent détruire pour qu'elle tourne le dos à sa famille, qu'elle se reste là en esclave, en appon, à femme là. Tout ce qu'elle a, elle donne que dehors. Elle oblige toute sa famille. Qui peut accepter ça dans nos familles? Répondez-moi, vous les Camerounais. Les je connais tout. Vous pouvez accepter ça dans votre famille? Que tu as ton frère, ta soeur, tu as tes parents, et il y a un autre soeur ou bien un autre frère qui est en train de persécuter, offenser sa famille parce qu'il y a des monstres dehors qui le trompent. Qui peut accepter ça? C'est même qui le trompent. Est-ce qu'ils ouvrent leur porte pour toi aussi, chanteur, pour faire ça chez eux? D'accord. Sa Majesté, connaissez-vous l'animateur et communicateur Serge Tamba? Je ne le connais pas. D'accord. Pourquoi? Quel rapport avec vous, avec ce dernier? Aucun rapport. À ce que Manvofra, à ce que Manimboumboum, il n'y a aucun rapport. N'écoutez pas les mensonges qu'il raconte. Voilà. Il est là où il est. Où les communicateurs, où il est quoi? Animateur, communicateur. Animateur. Alors, de transformer ça positif, il devient un monstre dans ça.
Il est parmi les gens qui montaient des faux profils contre moi et allaient dire à Chantal que c'est moi. Oui, c'est lui qui dit ça. Donne-nous de l'argent, on va l'insulter. D'accord. Pendant des années et des années qu'il fait ce travail, parce qu'ils sont en groupe dans les médias. C'est Serge Tamba qui est le tenez-vous. C'est lui. Et c'est lui qui manipulait ma soeur parce que la faiblesse, la soif, manque de gloire. Oui, écoute encore ce que ton frère a dit là. Ah oui, comme il a dit ça, ça veut dire ça. Alors, donne-nous l'argent, on va l'insulter. Elle aussi, bête comme tout, c'était comme ça là. Les humiliations que j'ai eues, les persécutions, les offenses, c'était le travail là, le travail de ses enfants. Serge Tambala, c'est un enfant. Il ne peut pas, s'il ne fait pas attention, il ne peut pas arriver à mon âge, les 60 ans que j'ai. D'accord. Parce que c'est un enfant. Ok. Sa Majesté, que pensez-vous? Écoutez un peu aussi. Vous avez vu l'autre jour, il y a un de ses compatriotes qui a fait la prison. Martinez Ogo. Il est de son camp. Dès que tu as un peu de sous, tu viens donner l'enveloppe, va insulter telle personnalité. Va insulter tel artiste. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. La malédiction. Et ce que Martinez a reçu dernièrement, c'est une, c'est-à-dire la gifle cosmique. Je ne pense pas qu'il va recommencer. Parce que tu te mets sur les réseaux sociaux, les médias, insulter ton père. Parce que ces personnalités, c'est leur père. C'est leur maman. D'accord. Est-ce que c'est l'école là qu'ils apprennent à la jeunesse d'insulter les personnalités, les personnes âgées? C'est ça que je voulais dire. Quand vous me donnez la parole, il faut laisser. Non, nous sommes d'accord. Voilà. C'est pour ça que je veux dire à Serge Tambala que arrête. J'ai récupéré ma soeur des années, tu as mangé, le sac d'argent est parti. Tu arrêtes. Tu as aussi ta famille, non? Occupe-toi de ta famille et de tes enfants. Et vous, Bela Yabangamia qui en sommeillant. Le chien qui a une longue queue là ne part pas à la chasse des serpents. Elle ne traverse pas le feu. Au Belbouan, à Bouan Sandi, la Serge Tambala, je n'ai pas commencé seulement à t'insulter. C'est toi qui es venu me provoquer. Tu as vu les images où j'embrasse ma soeur et tu es sorti sur un forum. D'accord, ça m'a... On verra si ça va durer. D'accord. Que pensez-vous des Bamileke? L'homme Bamileke, je n'ai rien contre l'homme Bamileke. Je combats la malhonnêteté des Bamileke. Et ils ne sont pas les seuls à être les malhonnêtes. Nous, toutes les régions du Cameroun sont les malhonnêtes. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mes beaux-frères dans ma famille. J'ai mes sœurs qui se sont mariées des Bamileke. J'ai mes amis qui sont Bamileke. J'ai des familles Bamileke que j'ai aidées qui sont même en Europe. Je prenais les enfants dans des familles pauvres, j'amenais en Europe. Aujourd'hui, ils construisent des duplex et tout. J'ai aidé. En France même, la plupart de mes amis, ce sont des Bamileke. Ils écoutent ce que je dis. Il n'y a pas un problème avec les Bamileke, c'est les mentalités. Quand j'ai giflé un Bamileke, c'est qu'il est venu entrer dans mon territoire. Leurs choses qu'ils font là-dehors, aller arracher les terrains des autres. Si tu es faible, ils arrachent. Et on leur trouvait en train de creuser les trous, c'était pour mettre les gris-gris. Parce que c'est comme ça qu'ils font, ils viennent d'abord faire ça. Après, ces choses-là vont commencer à jouer, à influencer la famille, la malchance, les malades, les morts et tout ça. Je lui ai même fait manger ces choses-là. Parce qu'on l'a trouvé, on a filmé tout ça. D'accord. Donc, ce n'est pas l'homme que Dieu a créé, que je ne suis pas tribaliste. C'est la mentalité que je combats. Okay. Cette mentalité-là, que nous sommes tous Camerounais, frères et sœurs. Mais il faut arrêter de faire du mal à d'autres familles. Tu sais que la chose, ce n'est pas pour toi, tu viens arracher. Ils entrent dans les banques. Les banques ont des coffres forts où les gens gardent les titres fonciers pour prendre des crédits. Et ils ont des complices dans les banques. Et ils volent les titres fonciers des gens. Ils partent dans le cadastre. Ils ont des complices là-bas. Ton titre foncier n'a plus ton nom, mais le même numéro reste. Voilà ce que j'ai découvert.
Ce n'est plus le nom de mon père à Yissentama, c'est le nom déjà d'un Bamileke et d'un Mbo. Avec la complicité des gens de la banque et les gens de cadastre. Aujourd'hui, où en sommes-nous? J'ai récupéré mon terrain, 8500 mètres carrés. D'accord, d'accord. Les droits d'auteur sont-ils respectés au Cameroun? C'est à nous de changer de mentalité. Parce que l'artiste tue lui-même. Avant de dire que c'est les autres qui sont là-bas en haut, qui font ceci, cela. Les artistes, même, comment on organise notre carrière? Parce qu'il y a un problème. D'accord. En tant qu'artiste camerounais, êtes-vous invité pour prester à la CAN Énergie? Je suis invité, l'invité d'honneur du chef de l'État. J'ai reçu une invitation. Je serai à la tribune, entouré de voilà, aux côtés de notre chef de l'État. J'ai reçu le billet d'invitation. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidounkouat, est-il l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut? Je pense pourquoi, avant d'être là, moi déjà dans ma jeunesse, j'ai connu bien ce monsieur. Il était à l'INGS, directeur, où quand je venais le rendre visite à l'INGS, moi j'étais pour lui un fils. J'ai vu le travail qu'il a fait avant. Et ça, je ne suis pas surpris de qui il est aujourd'hui, qui il est devenu aujourd'hui. Il est vrai, il y a beaucoup de travail à faire. Il n'y a que des ignorants qui ne peuvent pas comprendre le travail, le fond du travail. Parce que les gens paresseux, ils veulent toujours tricher, ils veulent tout vite, vite, mais travailler. Il est venu là parce qu'on lui a donné une mission de travailler. Il est en train de travailler. Voilà les résultats. On a déjà tout un village, la Fédération des artistes. Et moi, je suis le pôle de la danse, Fédération camerounaise de danse au Cameroun. Il m'a remis les clés avant-hier. Et donc, cela veut dire que je suis maintenant à la place qu'il faut en tant que danseur chorégraphe. D'accord. Comme lui-même, en tant que ministre, il est à la place qu'il faut. On commence avec ce village, cette Fédération camerounaise de l'art et de la culture. On a attendu ça combien d'années? Combien de ministres sont passés? C'est la bénédiction divine. Si Dieu lui-même ne te donne pas la grâce de faire ce qu'il faut là où il faut, on va attendre même 20 ans. Jusqu'au jour où l'homme qui doit venir accomplir la mission va arriver comme Jésus avait fait. D'accord. Monsieur Aïssi, où trouvez-vous votre source d'inspiration dans la musique? C'est l'âme divine. C'est l'esprit que je porte parce que le corps physique, c'est l'enveloppe. Mon esprit, c'est l'esprit qui parle, c'est l'esprit qui manifeste. Ce que je pense, je le deviens. Quand tu penses, tu crées. Oui. On dit que l'homme porte l'esprit. Cela veut dire que l'homme porte Dieu. L'esprit veut dire Dieu. Pourquoi on refuse ça? Il faut accepter ce que nous, le corps porte, c'est Dieu lui-même. On manifeste la divinité, le divin. Et puis pour sortir, les fans vous réclament sur la scène médiatique camerounaise. Qu'est-ce qui justifie votre absence? Il y a beaucoup de choses. Je suis déjà un grand responsable. Et je pense que il y a des moments aussi qu'il faut modérer pour reprendre certaines étapes. Parce que ce sont des escaliers qu'on monte. On ne fait que monter. Mais s'ils prennent aussi le temps de fouiller les réseaux sociaux, les gens, ils ont pour habitude aujourd'hui, ils fouillent que le négatif. C'est pour ça qu'ils sont malades. L'âme est malade, les gens sont malades dans l'âme. Au lieu de rentrer dans les réseaux sociaux pour fouiller le positif, ils fouillent que le négatif. C'est pour ça qu'ils sont malades. Ils ont des problèmes, la malchance, les malheurs. Ils cherchent le travail, il n'y a pas de travail. Et il y a trop de problèmes. Parce que quand tu entres dans les réseaux sociaux, il y a des mauvaises vibrations. Tu pars entrer dans un cercle. Ça te donne des malheurs. Après, tu te plains. C'est comme ça. Donc, quand vous fouillez les réseaux sociaux, fouillez à Yissé le Duc officiel. C'est là où vous allez voir le travail que j'ai fait. Ce n'est pas seulement tout le temps que je dois être à la télévision ou bien les clips. Entrez dans les réseaux sociaux, dans les comptes d'Yissé le Duc officiel, vous voyez le travail que je fais pour vous et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais vous ne cherchez pas Yissé le Duc dans les réseaux sociaux positifs, vous cherchez là où on insulte Yissé le Duc. Vous aimez écouter ça. Et quand vous écoutez ça, c'est la malchance que vous ramassez. Parce que vos oreilles n'ont pas droit à écouter le négatif. Mais si vous aimez écouter, quand
on insulte l'autre, on persécute l'autre. Attendez que le demain, l'ambassade que tu vas rencontrer, c'est les affaires d'hier. Parce que le passé nous suit au présent. Et beaucoup de Camerounais souffrent à cause de ça. 95% des Camerounais souffrent. C'est moi qui vous dis. La maladie d'occupation. Et ça fait qu'ils ont tellement de problèmes. Personne ne peut venir vers toi positivement et désintéresser. D'accord. Ils ont des calculs. Parce qu'ils ont des problèmes. L'argent, l'argent, et ceci, le travail, ceci, et les malades. Et ils sont malades tous les jours. Il y a les morts tous les jours. Toujours à tourner la langue. Monsieur Aïssi, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Et c'est moi qui vous remercie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous m'avez donné le temps de parler aux Camerounais, de parler aux Africains, de parler au monde entier. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils viennent à la télévision, ils deviennent hypocrites. Ils ne sont pas vrais. Moi, je suis vrai. Parce que ma vérité, c'est un bonheur qui se transmet. Parce que la vérité est contagieuse. Quand tu courtoies les gens vrais, toi aussi, tu deviens vrai. Un enfant qui est toujours à côté des sages, il deviendra sage. Et je vais dire aux Camerounais, changez, faites des efforts. Si vous ne voulez plus souffrir parce que vous êtes malade, l'âme est malade. Le corps physique s'est détruit. Regardez comment je vibre. À 60 ans, ils sont combien pour être comme je suis là? D'autres sont déjà avec les cannes. D'autres sont, on ne comprend pas. C'est l'intérieur qui rend quelqu'un bien. Tout commence à l'intérieur de soi. Quand vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, pensez à l'intérieur de vous. Je n'ai pas un livre là pour lire, ou bien la Bible pour lire. C'est le cerveau, là où le Christ manifeste sa connaissance. C'est ça qui est en train de parler. C'est le verbe qui parle. Ce n'est pas des choses qu'on lit. On vient répéter. Je vous parle et vous voyez mon accent. J'ai fait combien d'années en Europe? Je suis resté moi-même. Je ne parle pas dans la gorge pour devenir un blanc. Je suis resté à Gisele-Duc moi-même. Manbeti Manikan. Merci, Nadège, d'être passé. On a vraiment été édifiés aujourd'hui. Hein. Le public attendait vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent depuis son expression. Merci d'être passé, Nadège. Bon week-end. Ok, bon week-end. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine rubrique. Bienvenue encore à vous la parole. C'était très chaud avec les questions des internautes. On a vu Monsieur Aïssi le Duc s'exprimer, donner des conseils à la jeunesse, notamment à ceux qui parlent des autres. Alors on a vu votre, on a entendu déjà votre réponse concernant votre sœur, Madame Chantal Aïssi. Déjà qu'on félicite avec son nouveau clip qui vient de sortir. Je crois Afrique, le monde te regarde. Déjà, on sait quand même que c'est une figure quand même emblématique de la musique camerounaise. Aujourd'hui, on vous a vu réconcilier dans les réseaux sociaux. Est-ce que quelque part ce n'est pas un peu un conflit d'intérêts de voir peut-être 3-4 personnes s'immiscer dans votre vie de famille? Moi, je me dis que toutes les familles doivent faire attention. Mmh. Parce que quand Dieu nous a créés, c'est pour être des fondations solides. Mmh. Ce n'est pas des fondations à s'écrouler. Oui. Voilà. Mmh. Chaque famille doit faire attention parce que là où Dieu met sa lumière. Mmh. Les ténèbres, les forces des ténèbres sont toujours à côté. Mmh. C'est à nous de défendre la porte de l'entrée de nos familles, de nos maisons. Mmh. Parce que l'ennemi est toujours là, l'ennemi ne dort jamais. D'accord. Voilà, c'est à nous. Mmh. Parce que je n'ai pas besoin d'aller faire des faux profils pour parler à ma soeur, non. Je n'ai pas besoin. Mmh. Parce que je suis son père. Mm-hmm. Je suis son frère aîné. D'accord. Quand ça ne va pas, je l'appelle et je parle. Même s'il va m'insulter après, j'ai déjà dit. Mm-hmm. Et lui-même, elle va voir après que ce que j'ai dit, c'était vrai, mais elle a été têtue. Mm-hmm. Depuis qu'elle m'a persécuté, elle a reçu quoi? Mm-hmm. Tous les gens, les promesses qu'on lui a données pour me persécuter. Mais ça reste votre voilà, soeur. C'est ça. Voilà. Elle n'a rien reçu. Elle a compris. Ça reste votre soeur. Et ça restera toujours. Qui va enlever
Le voilà. cordon là. Voilà. Là où elle est là. Elle peut se marier 100 fois et divorcer, mais elle ne peut jamais divorcer avec le cordon là. D'accord. C'est ça. Nous allons lire quelques messages. Je suis pasteur, je veux vous rencontrer, monsieur Aïssi le Duc. Ce message n'a pas été signé. Déjà, vous avez un pasteur qui veut vous rencontrer. Bonsoir, est-ce que monsieur Aïssi le Duc peut encore danser à son âge? C'est pour ça que je les renvoie sur mes pages. Oui. Et ils vont voir les images qui sont là. Mm-hmm. Bonsoir, c'est monsieur Mani Dominique. Comment faire pour être comme vous, monsieur? Ça, c'est une question qui vous est adressée. Comme vous, je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne peut pas être comme quelqu'un. Mm-hmm. On reste toujours lui, soi-même. Mm-hmm. Mais quand tu admires l'autre, mm-hmm. c'est cette énergie-là qui se transmet. C'est, on appelle ça une chaîne. Mm-hmm. Voilà, les vases qui se communiquent. Mm-hmm. Reste qui tu es, mais prends seulement des énergies positives pour être aussi... Voilà, positive comme moi. Mm-hmm. C'est des pensées positives qui rendent quelqu'un positif. D'accord. Bonsoir. Vraiment, tonton Aïssi, vous êtes fort. Je vous kiffe tout coup depuis Yagoua. Yagoua, c'est à l'extrême nord. Merci beaucoup. Voilà, on vous suit un peu dans tout le Cameroun. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on sait que vous avez des groupes de danse. Mm-hmm. Vous travaillez avec des jeunes. On vous a vu dernièrement en décembre dans un festival culturel à Yaoundé 6. Oui. Justement, où il y avait plus, vous avez parlé de diversité culturelle. Exactement. Il y avait des Bamileke, vous avez fait la danse de l'Essani, oui. Entre autres. Voilà, avec cette diversité culturelle, quel est le message que vous véhiculez? C'est pour renouer toujours cette unité. Oui. Azaro, c'est une fondation, c'est une association culturelle de l'Ouest. Oui. Voilà. Mm-hmm. Ce sont eux qui m'ont invité avec les chefs traditionnels de l'Ouest. D'accord. Qu'ils avaient besoin de moi. Oui. Pour reformer cette unité. Mm-hmm. Voilà. Parce que le Cameroun, c'est l'unité, c'est pas la division. Oui. Et on l'a montré au festival. Oui. C'était même encore un autre dialogue national oui. qui était dans la tradition mm-hmm. pure mm-hmm. entre les tribus des 10 régions du Cameroun. D'accord. Vous-même, vous avez vu des images bien sûr. Qui parlent. Mm-hmm. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les mentalités négatives là qu'il faut toujours écarter mm-hmm. pour être équilibré. Mm-hmm. Et tout s'est bien passé. Oui. Tous ces chefs traditionnels qui sont venus, mm-hmm. c'est-à-dire, c'est le paradis terrestre. Oui. Et ils se préparent même à m'inviter à l'Ouest. D'accord. Bon, chaque chef est en train de voir comment s'organiser pour m'inviter. D'accord. C'est ça qu'on veut de nous parce que le Cameroun, c'est ça. Mm-hmm. D'accord, nous allons lire les messages qui ne font qu'arriver. Bravo Info TV avec Aïssi le Duc. C'est un cas très intéressant. Je suis Ngongo fidèle à Akonolinga. Mmh. Vous recevez beaucoup de félicitations. Merci. Merci Seigneur. Comment faire pour le rencontrer? C'est un grand homme que j'admire. Merci. Entrez dans mon Facebook, Aïssi le Duc officiel. Vous m'écrivez là-bas. Voilà. D'accord. Bonsoir depuis Garo Boulaye. Salut le plateau Est Cameroun à la frontière du RCA. En fait, il est venu dire bonsoir. Il est à la frontière Est du Cameroun. Voyez-vous, il y a beaucoup de Camerounais qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à la culture, qui ne savaient pas réellement qui était Aïssi le Duc parce qu'on vous voit peut-être dans des clashs. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message que vous pouvez donner peut-être à la jeunesse qui s'intéresse à la danse? C'est pour ça que je ne fais que continuer à dire à la jeunesse que la danse, ce n'est pas le désordre. Mm-hmm. C'est Dieu qui parle dans la danse. Mm-hmm. C'est papa, c'est maman. Mm-hmm. C'est les ancêtres qui nous parlent à travers la danse. Ouais. On ne danse pas pour danser. Mm-hmm. On danse pour être en harmonie avec l'univers, mm-hmm. avec la nature. C'est un rituel, c'est spirituel, c'est un rituel. Le rituel commence en soi, même ce que tu penses. Mm-hmm. On devient ce qu'on pense. Oui. Voilà, c'est ce que tu penses qui se matérialise. Mm-hmm. Et ça devient rituel, tout ce qu'on peut dire. Oui. Donc les enfants doivent déjà, en commençant, à parler avec eux-mêmes. Mm-hmm. Et toujours être aux côtés de leurs parents. D'accord. Parce que les enfants aujourd'hui vagabondent à un niveau où même les parents ont peur. L'enfant sort de la maison pour aller à l'école, tu ne sais même pas s'il va rentrer. Mm-hmm. Parce que le mal s'est personnifié dehors. Mm-hmm. Et j'interpelle les enfants, quand vous sortez dehors, rentrez chez vous parce que le dehors est dangereux. Maintenant, c'est l'ère apocalyptique. Les choses s'accomplissent comme Dieu avait dit. Mm-hmm. Rentrez chez vous. Le bonheur que vous cherchez dehors, là, vous-même, vous le savez, c'est la mort.
Aujourd'hui, dans les écoles, qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui poignardent les autres. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est des groupes, des groupes, des groupes, des groupes. Oui. Est-ce que vos parents sont là-bas? Les qui sont ces parents maléfiques que vous rencontrez dehors, qui vous détruisent comme ça, là? Après, vous allez dire que c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est ceci. Toi-même, tu fais comment, Women Waboya? Les voilà. Enfants rentrent chez vous, chez les parents, parce que les parents sont responsables de vous avant 18 ans. D'accord. Rentrez chez vous. Les bénédictions ne viendront pas d'une personne d'ailleurs. D'accord. Ce n'est que dans ta maison. Ce n'est pas un autre fantôme qui viendra te donner les bénédictions, c'est faux. Les autres qui vous donnent des fausses doctrines là, un autre fantôme étranger ne peut pas venir bénir dans ta famille. Et il y a toujours d'abord tes ancêtres qui sont devant, oui. qui sont la représentation de Dieu qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais nos corps représentent Dieu. D'accord. Nous allons continuer à lire quelques messages parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Bonsoir le plateau, j'apprécie beaucoup ce grand homme de culture. Tout est déclaré sur son habillement. Alors on félicite votre habillement. Voilà. Bonsoir monsieur Aïssi le Duc. Je peux faire votre rencontre pour vos conseils à signer Mendoa Kiki au sud du Cameroun Village et Bom Essao. Écrivez-moi sur mon Aïssi le Duc officiel Facebook. Bonsoir papa, ici je respecte vraiment votre intelligence. Ngonaï de Yagua toujours. Merci. Il y a toujours des gens qui viennent de Yagua. Voilà. Bonsoir monsieur ici le Duc, je suis Mijimba Oyono Hubert Martin depuis Ebolova. Merci papa ici. C'est mon beau frère là-bas. D'avoir conseillé le peuple camerounais sur la mentalité. Alors avant de continuer avec les messages, nous allons prendre une rubrique qui consiste à faire défiler quelques photos de personnalités et ici le Duc nous donnera son avis. Sans plus tarder, on va passer à la première image. La Miss Indépendance du Cameroun, c'est votre Julienne maman. Aïssi, voilà. Aïssi Ntama. C'est notre maman à nous, notre grand-mère à nous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme... C'est mon âme sœur. D'accord. Une mère, c'est une mère. Ce que je veux dire à la jeunesse, même aux adultes. Parce que pour savoir qu'est-ce que c'est une mère, il faut déjà découvrir le mystère quand la femme est enceinte et au moment qu'elle accouche. Tu vois ça, tu vas t'abstenir pour penser de n'importe quoi de ta maman. Même si elle est pauvre, même si elle est folle, même si elle est comment, l'effet seulement qu'elle t'a porté. Elle t'a nourri avec ses comportements comme tu le juges. Elle t'a accouché. Tu as eu l'âge que tu as. Si c'était vraiment méchante comme tu as dans ta tête, tu n'allais pas avoir l'âge là. Parce que tout vient que de celui qui est invisible, qui nous incarne, Dieu. Voilà. Et c'est ce que je veux toujours dire aux enfants. Nos mamans, ce sont nos amours. Nos mamans, ce sont notre bonheur. C'est notre bonheur. D'accord. Il faut aimer nos mamans pendant qu'elles sont vivantes. Ce n'est pas le moment qu'elles décèdent qu'on vient sortir les larmes de crocodile. Maman, maman. Quand maman était vivante, tu pensais à lui. Non, c'est votre temps. Parce que les enfants aujourd'hui, ils ont ça. Ce n'est plus votre époque. La vieille marmite s'est préparée. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas s'en passer du passé, hein, de nos vieillards. C'est ça. Oui, c'est notre essence. Nous allons passer à l'image suivante. Chantal Aïssi. Oui, je l'appelle maman parce qu'elle porte le nom de notre maman. D'accord. Elle s'appelle Eyenga. Eyenga, c'est Marie Chantal. Oui. Voilà, c'est ma petite sœur bien-aimée et je l'aime comme elle. Moi, mon travail, c'est méditer positivement pour qu'elle se retrouve dans l'équilibre. Parce qu'elle est déséquilibrée mentalement, il y a un problème. D'accord. Et il faut qu'elle revienne dans l'harmonie et l'équilibre pour accomplir sa mission. Parce qu'elle a une grande mission, hein. Elle a une grande mission, mais il y a quelque chose, l'ennemi ne dort pas. Les gens qui viennent là mentir, là, que sont ses amis, ce sont des faux amis, c'est les intérêts.
je pars vers Chantal, elle va me donner les habits, les perruques, l'argent, ceci. Mais elle n'aime pas Chantal Aïssé elle-même. C'est l'argent de Chantal Aïssé, les habits de Chantal Aïssé, les belles grèves de Chantal Aïssé. C'est comme ça. Mm-hmm. Mais Chantal Aïssé même ne l'aime pas. Vous allez voir que les gens que Chantal Aïssé a aidés persécutent Chantal Aïssé. D'accord. Les mêmes gens. Ça dit déjà tout. Mmh. Donc, c'est à elle maintenant de comprendre des choses. Sinon, elle restera toujours mon amour. C'est un conseil de grand frère. Alors, voilà. Nous allons passer à l'image suivante. Myriam Makeba. Oui, c'est une, j'ai un grand souvenir de cette femme qui est la voix de l'humanité, la voix de l'Afrique. Oui. Elle a beaucoup travaillé pour l'Afrique. Oui. Et ma première fois que j'ai rencontré Myriam Makeba, c'était en 1994 à l'Olympia de Paris. D'accord. J'ai fait beaucoup de photos. Même quand vous arrivez chez moi, au salon, il y a un grand portrait où je suis avec Myriam Makeba. D'accord. Voilà. C'est là où ce que je veux de ma sœur Chantal Aïssé, c'est cette catégorie. Oui. Voilà. De Myriam Makeba. Quand vous voyez même cette lumière, tu comprends. Ça, c'est le niveau de Chantal Aïssé. Ce n'est pas dans les ténèbres là-bas. Le niveau de Chantal Aïssé, c'est les Myriam Makeba. D'accord. Nous allons passer à l'image suivante. Iman Aïssé, votre frère. Voilà, elle vient après Chantal Aïssé. D'accord. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, c'est le premier Africain subsaharien qui a été accepté dans la haute couture parisienne. Exactement. Ouais. Ça montre déjà qui nous sommes, la famille Aïssé. Oui. C'est un don. C'est un don. C'est le tout premier Africain de l'Afrique. Le tout premier de l'Afrique subsaharienne. Voilà, parce que les autres, c'était les Afriques arabes. Voilà. C'est le tout premier. Voilà. Voilà, dans l'histoire. Dans l'histoire, voilà, en 2020. C'est une grâce divine. Oui. C'est ça. C'est une grâce divine. Parce que nous, on a même un frère, même père, qui a été devenu première danseur étoile. Africain, métis, noir, à l'Opéra de Paris, dans la danse classique. D'accord. Notre demi-frère, même père et deux mamans, il est là à Paris. D'accord. Il est vivant. Mm-hmm. Ça montre tout. Donc lui, il a commencé par la danse avec moi, tout petit. Oui. Tous les voyages que je faisais, c'était avec lui. Mm-hmm. Le dernier voyage que j'ai fait avec lui, c'est quand Yannick Noir signe un contrat avec moi. Mm-hmm. Pour SAG Africa et l'Association des enfants de la tête, de la terre, que j'amène Iman Aïssé. Après le contrat, je lui ai dit, tu restes. Tu te débrouilles comme je vois que c'est la couture, le stylisme qui t'intéresse beaucoup. Parce que lui, il a commencé à coudre, il n'a pas appris à coudre. Ah, il prenait les papiers, les écailles, les chiffons. Il faisait des habits. Moi-même, j'étais son mannequin, maman, les enfants. D'accord. Et les écailles, il faisait des robes de mariage. Il faisait le mariage comme les enfants faisaient dans toutes les familles. Oui. Et la première machine, c'est la machine de la grande sœur de la maman, les machines qu'on faisait avec la main comme ça. C'est comme ça qu'il a commencé. Il n'a pas fait des études de couture. D'accord. C'est le don que Dieu lui a donné qui a manifesté jusqu'au aujourd'hui. C'est comme ça que je le laisse en France pour qu'il prenne sa vie en main et voilà. Aujourd'hui, c'est une image représentative de l'Afrique dans le domaine du stylisme mondial. Alors, nous allons prendre l'image suivante. Salif Keïta, le Malien. C'est un monsieur que j'admire beaucoup parce que c'est un grand sage. Oui. C'est un zomlo. Un zomlo, comme on dit chez nous. Oui. Et il est comme ça chez eux. C'est un sage. Ah, c'est un sage, d'accord. Sa carrière, tout ce qu'il fait dans la musique, dans les paroles, tout ce qu'il fait, ça, c'est l'humanité. Il parle tout le temps que de l'amour, la vie, l'humanité. Oui. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. D'accord. L'image suivante. Wes Madiko. Encore, voilà notre génie. Paix à son âme. C'est monsieur... Première fois que j'écoute sa musique, c'est moi je n'imaginais pas que c'était du Cameroun, qu'il était du Cameroun. Je voyais les galaxies, c'est-à-dire notre monde, qui n'a rien à y voir avec notre monde. Et c'est ça, il a valorisé quelqu'un qui a eu des disques de diamants. Oui. Et c'est un monsieur disque de platine, voilà, de platine à l'époque, et très courtois.
humble, simple d'esprit. Quand il me voyait, il se mettait à genoux. Je lui dis pourquoi? Il dit aux gens que ce monsieur-là, ici le duc, il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver étant petit. J'ai à lui donner le respect qu'il faut. Quand je le vois, je me rabaisse. Oui. Je vois ce monsieur, paix à son âme. Ça, le Cameroun. Ça, le Cameroun, nous avons des valeurs. Il faut que les Camerounais apprennent à respecter. Et Merci. nous allons prendre une autre image. Yannick Noah. Ah, j'ai parlé de lui tout à Bien l'heure. sûr, on ne peut pas le louper, hein. Ben oui, c'est mon frère. Oui. C'est mon frère. C'est quelqu'un de génial aussi, très spirituel. Il est né comme ça parce que ses parents aussi, ses ancêtres. Voilà. C'est quelque chose qu'on prend des ancêtres, ce n'est pas des amusements. Oui. Ce n'est pas, ça n'a rien à y voir avec des croyances. Non. C'est en soi. Et Oui. quand tu prends ça en compte, tu deviens ça et la famille continue à briller. C'est une famille qui brille. Et nous sommes frères parce que nous sommes deux tribus, trois tribus à Yaoundé et les Ewondo. Et Mbumbum, je Oui. suis un Mbumbum. Etoudi, Yannick Noah Etoudi. Ndon, c'est trois frères qui sont nés de trois mamans, même Oui. père. Beaucoup de jeunes, voilà, ne le savent pas. Oui. Les jeunes étudient, les jeunes Mbumbum, les jeunes inventent. Ils savent, enfin, ils ne connaissent pas cette histoire que je raconte. Quand on nous voit dans Yaoundé, voilà l'histoire étudiée. Mbumbum, inventent. Ces trois frères qui sont nés, même père et trois mamans. Et trois Donc mamans, il y a d'accord. un lien très fort. Donc j'ai été toujours, toujours j'ai été. Et toujours je suis avec cette famille. J'ai connu le grand-père de Yannick Noah, Noah Bikier. Lui causait, il aimait causer avec moi. D'accord. Quand Zacharie Noah, le père de Yannick Noah, m'invite à étudier à Tongolo, quand j'entre au club Noah, je trouve Noah Bikier, notre grand-père, le grand-père de Yannick Noah, assis devant la cuisine de son épouse. Et cette maman. Tu vas savoir que quelqu'un est dedans parce que tu entends. Mais il n'y a que la fumée du bois qui sort. C'est devant la cuisine assis qu'il me fait asseoir. On va causer des heures et des heures. Pendant que Zacharie Noah m'attend au club, c'est quand il dit, bon, Aïssa ne vient pas, moi, je vais aller faire. C'est là où il me trouve en train de causer avec son père. Il me dit, ah papa, tu attends seulement que j'invite Aïssa pour le volet. Le prendre avec toi. Wa kargé banda bordoué. Maman banda ici au soin, il pas en va. Tu vois, avec beaucoup d'humour. Voilà, effectivement. Et son père lui dit, j'aime causer avec lui. C'est un chef. Parce que toutes les personnalités, les hommes-là, autant les Foudandrés, ces gens m'appelaient Nkoukouma. Quand moi j'étais petit, et ils ne m'appelaient jamais de mon nom. Ils m'appelaient Nkoukouma, le chef. Oui. C'était comme ça. Moi, j'ai eu la grâce de voir ces gens. J'ai parlé avec eux. Et pourtant, j'étais encore tout petit. Oui. C'est ça. On va donc lire, nous sommes arrivés au terme déjà des images, nous allons lire quelques messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Beaucoup de respect et vraiment merci aux Omlo Aïssi, le Duc, pour tous ces messages édifiants. C'est Manou le Cristal. Donc voilà, Merci. les gens sont très contents de vous lire. Bonsoir, monsieur Aïssi. Vous avez raison sur l'amour d'une mère. C'est quand elle vit que nous devons lui dire merci, a signé Menoua Kiki de Bomessao. Voilà, on parle toujours de cette mère Merci, qu'il faut toujours mettre en avant. Bonsoir, patriarche. Vos conseils m'ont beaucoup changé depuis le jour qu'on est passé chez vous à longue vie, grand-père. Ton fils, jeune artiste Antoine de Padoue Ngosso. Voilà, tout le monde suit quand même l'émission. Bonsoir, le grand-duc, c'est Daryl Kouengwa de Bango. Vous avez transmis le génie. Alors, que dites-vous de tous ces messages qui viennent, qui arrivent, qui vous remercient C'est de déjà? l'amour, l'amour inconditionnel. Parce que les gens confondent l'amour. L'amour intéressé, c'est pas de l'amour. Parce que tu n'aimes pas la personne, tu aimes ce que la personne détient. Mais
L'amour qui est vrai, c'est l'inconditionnel, désintéressé. C'est-à-dire, tu aimes cette créature, cette belle créature que Dieu a faite. Voilà. Qui fait vivre, qui donne de l'honneur, de la joie, réciproquement. Parce que l'amour est réciproque. C'est cet amour-là. Voilà, il n'y a rien d'autre. Cet amour n'a pas de prix. On n'achète pas le vrai amour. Le pur amour, ça ne se achète pas. Ça, le pur amour organise, gouverne et protège. Voilà. Et ce pur amour a aussi un revers. Quand ça ne va pas, c'est la colère divine. On appelle ça la sévérité divine que l'amour là peut Vous manifester. avez parlé de gifle cosmique. C'est que la gifle pour sauver beaucoup de familles. Et il y a beaucoup de familles que les dossiers ont été rangés à cause de cette gifle. C'est-à-dire quelque chose que vous avez fait des années et des années. Et un jour, Dieu va dire stop. Voilà. Vous avez tant fait. Allez, stop, vous serez démasqué. Et ils ont été démasqués. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été résolus à cause de cette gifle cosmique. Ce n'était pas la gifle de la haine. C'était la gifle pour sauver des familles, pour corriger quelque chose. C'est comme ça, c'est tout. D'accord. Nous allons lire d'autres messages. Bonsoir, monsieur ici. Pouvez-vous nous esquisser quelques danses, quelques pas de danse? Edwige depuis Kribi. Mais, madame Edwige, nous sommes en pleine émission. C'est exactement, en tout cas dans l'avenir, la prochaine fois. Il y a déjà le clip qui arrive parce que je viens de sortir un maxi single. La première phase du singulier, je. Ça arrive là, vous allez voir les nouveaux clips. Bonsoir, comment faire pour chanter et trouver des managers? Bon, je ne sais pas si vous êtes Oh, manager. Il y a des questions c'est un qui monde compliqué. Bonsoir, papa, tu es bon. Martin est Salah. Bon, voilà, c'est toujours Merci. des messages de félicitations, des messages de gens qui veulent vous connaître. Bonsoir depuis Garoua. Salut à monsieur Aïssé le Duc depuis Garoua. Voilà, on vous suit de partout le Cameroun. Merci, Hein. merci Alors beaucoup. aujourd'hui, on sait que avec le ministère de la Culture, vous avez reçu les clés. Parlez-nous un peu de cette réception de clés de fédération de Pôle Art Danse. Exactement, c'est Voilà. un projet que notre ministre a commencé depuis son arrivée au ministère des Arts et de la Culture. On a fait plusieurs réunions avec lui, il a fait beaucoup de démarches, et il est parti même jusqu'à l'Assemblée générale pour qu'on vote le statut des artistes et tout. Bon, ça arrive qu'il nous a fait une surprise, hein, parce que même quand on ne le voit pas, il travaille. Il est toujours en train de travailler. Voilà. Et il y a que les réceptifs, les gens attentionnés qui savent qu'ils travaillent. Voilà. Les gens de peu de foi disent n'importe quoi alors qu'il est en train de Et travailler. parce qu'on a vu les divisés maintenant en fédération. Voilà, Oui, il faut fédérer exactement. peut-être les énergies. Il y a tout ça. Et il a commencé même le chantier au musée national. On ne savait même pas ce que c'est. Moi-même, je passais devant le musée, je voyais le chantier. Bon, je ne savais pas ce que c'est. Pour moi, je disais, bon, comme il y a tout le temps des foires, on améliore les foires. C'est il y a quelques jours, je reçois le message du ministre que, il nous invite 16 h, c'était le mardi. J'arrive, on me dirige vers ces bâtiments très belles, peinture blanche et tout. Je regarde la grande salle, le beau, les gens, comme une grande assemblée et tout. Je pose des questions. Il me dit, voilà, le village des artistes, la fédération des arts et de la culture, des artistes. Je dis, ah bon? Donc, c'est le cadeau de 2022. Oui, Voilà. la nouvelle année, hein? Voilà. Et ma place était préparée pour la danse. Et c'est là qu'on parle de me monter, de m'asseoir. Et tous les autres s'asseyaient à côté de moi parce que chaque tête avait aussi été entourée. C'est là, moi, j'ai dit, mais c'est une grâce divine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le bébé qu'on attendait il y a des années et des années et des années, ce bébé arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que l'espoir marche. C'est monsieur Chapeau. C'est un papa, c'est un grand-père. Il est toujours à l'écoute. Mais on ne peut pas avoir de lumière sans être persécuté, parce que quand un manguier porte des fruits mûrs, on lance des pierres.
D'accord. Voilà. Nous allons continuer à lire quelques messages. Hein. Le nom d'artiste de ce grand homme révèle déjà sa personnalité et son esprit d'autorité. Merci, monsieur le Duc. Merci. Voilà, il y a toujours des gens qui essayent de décrypter votre habillement. Bonsoir, le plateau. J'aime le style de monsieur Aïssi. J'aime son collier. Qui nous parle de ça, s'il vous plaît? Parlez-nous de votre collier, alors. Voilà, le collier, ça montre déjà la beauté africaine. Oui. Voilà l'escargot. Oui. Et ça symbolise aussi l'amour. Voilà, l'amour, il y a la protection. Quand l'escargot se sent menacé, il entre, il Oui. rentre. Voilà, c'est comme ça. Et cet amour-là de l'escargot, on peut le transformer en art. Ah, d'accord. Voilà, c'est une beauté. Voilà, et tout, la paille aussi, c'est Oui. nos choses que nos parents s'habillaient avec. Oui. Avant d'être colonisés, on avait nos pailles dans la forêt, Oui. on avait le bois, c'est-à-dire l'écorce de l'arbre, voilà, qu'on pilait, Oui. on faisait les matelas, on portait. Ah, d'accord. Parce qu'avant, on n'est pas nés, nous ne sommes pas nés avec des habits, on était nus. Oui. Voilà. Mais ça, vous pourrez peut-être le retranscrire dans un livre, un ouvrage, c'est possible? Et oui, je suis en train de préparer un autre livre. D'accord. Oui. Selon vous aujourd'hui, quel est le problème majeur de la culture au Cameroun? Le non-respect, déjà, on ne respecte pas la culture. Pourquoi? Tant que tu ne respectes pas ta culture, c'est que toi-même, tu ne te respectes pas toi-même. Tu t'insultes toi-même parce que tu es né dans la culture. Avant d'être humain, tu étais une lumière qui a pris forme. Oui. Voilà. Si déjà tu ne sais pas qui tu es, et tu seras quoi d'autre? Que du ridicule. Oui. La culture au Cameroun, c'est un problème de il y a le, je peux dire, la mauvaise volonté. Il Oui. y a l'ignorance. Vous voyez, l'enfermement. Oui. Voilà, il y a ça. Et il y a, après, la méchanceté s'ajoute. Alors que nous sommes tous culturels. Nous sommes nés dans l'art, nous sommes nés dans la culture. Oui. C'est cette culture qui fait de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce qui donne l'argent? Il y a l'art et culture. Un Oui. pays sans culture est un pays mort. C'est l'identité. C'est l'identité. Ouais. Tout ce que vous pouvez entendre, les sponsors, les ceci, ça commence dans l'art, la culture, dans toute cette beauté. Et l'Europe nous le démontre parce Oui. que l'Europe est riche avec notre culture. Ouais. C'est tous les jours des milliards qui entrent la culture. Et c'est ça que nous voulons faire. C'est pour ça qu'il y a ce village artistique. Ça doit devenir une industrie. Oui. L'industrie qui peut faire de l'argent, participer à l'économie du Cameroun. Oui. Pourquoi toujours attendre que l'aide de l'État, l'aide du gouvernement, ceci a fait ça? Non, produisons. Oui. Et nous demandons aussi aux autres de ne pas nous mettre les bâtons. Dans les roues. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Oui. Un artiste qui amène un bon projet, et ils prennent même le projet et cachent. Après, tu vas te retrouver avec ton projet dans un autre projet. Tu vas le reconnaître que, mais ce n'est pas les idées, mes idées ici. C'est pas mon point. Alors que tu as déposé un dossier, que tu n'as pas eu des réponses depuis des années, Oui. c'est méchant. Il faut libérer les Camerounais dans leur art, dans leur D'accord. culture, donner-leur leur argent, leur richesse, leur beauté, leur amour. Pourquoi vous venez fermer? Tu as fait les longs crayons, parce que tous les artistes n'ont pas fait des écoles. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'on a en nous, ce sont les dons divins. Oui. Tu as fait. Qu'est-ce que tu connais dans la danse? Mais tu es dans un bureau pour diriger la danse. Qu'est-ce que tu connais dans la musique? Mais c'est toi qui es dans le bureau pour faire ceci, cela. Et dans ça même, ce n'est pas interdit. Il Oui, faut être gentil avec les artistes. effectivement. Pourquoi être toujours méchant avec les artistes? Les artistes sont méprisés à un niveau. Et je connais les gens qui font ce travail-là. Et je les parle. Ils savent que moi, je suis direct. Oui. On ne méprise pas Dieu. Parce que l'art, c'est Dieu. La culture, c'est Dieu. On parle des artistes comme des demi-dieux souvent. Il n'y a même pas un demi-dieu. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes Dieu lui-même. D'accord. Les rayons du soleil sont le soleil. Quand tu regardes le soleil, est-ce que tu vas dire que c'est les rayons du... Tu vas dire le soleil. Les racines de l'arbre sont l'arbre. Il ne faut pas avoir peur. Acceptons.
L'esprit que nous portons, c'est Dieu lui-même que nous portons. Mais bra, samba. D'accord. Nous allons lire quelques messages avant de clôturer ce programme qui est quand même très alléchant et très suivi aujourd'hui. Salut à ce grand homme de réveil, de conscience et d'éducation. Monsieur Aïssi est une bibliothèque à garder jalousement. C'est Ozias depuis Bamenda. Merci. Ah ben, vous êtes suivi depuis Bamenda. Sa Majesté, êtes-vous ouvert au featuring avec les artistes qui font dans le genre de musique autre que le Bikutsi? Oui, pourquoi pas? Je suis. Vous avez vu dernièrement, j'ai fait une chorégraphie même avec Lady Ponce. Après, voilà mon nouveau single, maxi single qui est sorti et j'ai appelé Ma Joie. Le clip vient bientôt. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais que papa ici nous cite deux icônes dans la musique camerounaise qui l'ont inspiré, Emmanuel de Pinkwaban. Inspiré dans la musique ou bien dans la danse? Dans la musique, c'est dans la musique, il y a Anne-Marie Ndié. Il y a Anne-Marie Ndié et il y a... Sali Nyolo. D'accord. Et Ma Joie. Et Ma Joie. Il y a quelque chose en elle. Bonsoir depuis Batanga, un village de Kribi sur la route pour portuaire. Je suis en direct, Zomloa grand-père Aïssi, merci. C'est Mawawel Bodima. Tout le monde vous remercie déjà d'édifier déjà tout sur Info TV. Mon beau frère Debolou va me suivre ici. Vous avez dit amour inconditionnel ou conditionnel du collier sur votre cou. Kiki, depuis, il parle d'amour voilà. Sur le collier. Est-ce qu'il est conditionnel ou inconditionnel? Non, c'est inconditionnel. C'est l'amour de l'art, l'amour de la culture. Tout ce que Dieu nous a donné dans la nature. Voilà. Il faut exploiter ça avec l'amour. Parce que nous avons un corps que Dieu nous a donné. C'est la beauté divine. D'accord. Parce que nous, Dieu s'est fait chair. C'est ça qu'on nous dit dans la religion. C'est-à-dire que l'esprit a pris, s'est matérialisé dans la chair. C'est ça. Donc, ça revient avec la même chose avec de l'art. Tout ce que nous pouvons porter, les habits, voilà, les colliers, les ceci, tout ça. Dieu nous a donné tout ça pour exploiter positivement. Est-ce qu'on peut vivre sans toutefois connaître sa culture? Ça, c'est une question qui vient d'arriver. C'est difficile parce que quand tu ne connais pas ta culture, il y a un manque. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de gens dans la folie. Ils marchent, ils parlent seuls. D'accord. On a beaucoup de gens comme ça en Europe qui ont été coupés de la racine culturelle. Okay. Même aux États-Unis, toute l'Europe même. Beaucoup de gens, tu vois quelqu'un bien habillé, il marche, il aboie comme un chien. Il y a beaucoup, il y a un manque. Tu verras même un psychologue, comme eux, ils travaillent de l'argent. Le psychologue gentil, il va te dire, il va te poser une question. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé en Afrique? Oui. Dès que tu vas lui dire, il va te dire, fais tout et tout. Prends l'avion, va en Afrique. Et quand tu vas revenir, tu reviens me voir. C'est là que tu respectes, tu prends le pied d'avion. Dès que tes pieds posent, se posent la terre africaine. Oui. Ces forces qui avaient un manque du lien de la racine te libèrent. Tout de suite, tu es guéri. Les angoisses, les soucis, le stress que tu avais, tu vois, ça. C'est là quand tu rentres, alors tu pars revoir le psychologue. Ça va? Oui, ça va très bien, je suis content. Il dit, voilà le remède. D'accord. Bonsoir papa, merci pour vos conseils. Myris, depuis Sang Melima. Alors, bonsoir monsieur Aïssi, j'admire ce que vous faites pour la culture camerounaise au niveau international. Mon problème, ma femme est artiste et elle voudrait s'intégrer dans la Fédération des artistes. Que faire? Apôtre Bongono Floribert depuis Yaoundé. Il n'y a pas de problème, si elle est musicienne, si elle est chanteur, et il y a le pôle de musiciens. De chanteur, elle est auteur-compositeur, elle a ses œuvres, elle vient. Ce n'est, il n'y a pas de concours pour entrer là-bas, c'est simple. D'accord, nous arrivons déjà au terme de l'émission, nous allons prendre un dernier message qui nous parle aussi du football de la CAN, qu'il dit un mot aux Lions Indomptables, c'est un mot d'encouragement. Il demande un mot d'encouragement aux Lions Indomptables qui vont compétir ce dimanche contre le Burkina Faso. Que les Lions soient positifs, comme toujours, qu'ils font leur travail comme toujours, qu'ils jouent avec de l'amour du Cameroun. Voilà. Parce que dans le football, il faut d'abord de l'amour. Ce n'est pas l'argent qu'il faut d'abord mettre devant. C'est cet amour inconditionnel pour son pays. Pour sa nation. On a vu Mila Roger, les Belles Antoine. Ils ont montré l'exemple. L'amour,
Voilà, que les lions font leur travail, qu'ils avancent avec cet amour inconditionnel et ils vont recevoir des bénédictions, la victoire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, mais avant de partir, nous avons une tradition aussi en votre langue. Vous allez dire un mot à la jeunesse camerounaise, notamment donner des conseils, comme vous êtes homme, loi, patriarche, entre autres, face à la caméra. Quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes Camerounais aujourd'hui? Mais il y a une Cameroun. Beti ben nanga beso, ekang ben nanga beso, Afrika beso, na. Mais ce kazu kulu ne matu abzomu lo, manga biala matu abzomu lo. Ici que on gomme zukulu zin, gaba karmi ne ne gomme zukulu zin eni minal. Ba biala matu abzomu lo ici que nous otam que tu abo no more izeli fumu. Aborte ben kan on tu abo on tu abzomu lo tere, ou abiala matu abzomu lo amu zamba tu o wanyonya kwaba. Il y a un bon mami à boire, ma cam. Nous avons nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, bot a là, nous bot a cam ni bot a sommes là, nous 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 Logan bi se ba ne bi nye ba ne bi van bian e bi nyon dom ban on bokot mi bi nye van kwam mi bala be a mouni mi bala ba mou fulu mi a bian de morousso mi a kwab bi ko kwab amda mi nzuk mi bala mina a mou min ba ban mini mi nzuk mi te mi a siya be mi a kwab a be mi a tsoka be mi a bwara be mi a diya be Duna mendem in ye ban be se ban. Nya donkey, he wanga be wa. Aimed a hot tongue way, and in yua, and yaniswa, and yanizambu wui. E zabanga yini to abnala. E zomia zangan song, minimi and yumu yua, minimi and yubian be sibingapu, minimi a kimianina, bien be mamma, satana, man me, no me sisim. Gamia yanaba glass, bunga ben the wana. A kaldan. Da. Zan zambemi amiku kalwa mimbumu wam samna numambalina. Kwane no duma. Yang minene mina min song. And defo e dinina habwa we yizomi morumwa. Wa dimiki morimen wa dini hizoma belu nmunem bafu. Ndema karmi na anam kamurun. On nam ya zambanga hebia mu min meben mine kamurunte. E kamurune yu tiri. Ngemi bofyanga. Indwani e kapi man dika min beben amufia dika femina. Yang bien quand même d'abord glaçali, mais nous on a tout, habibouabibouan, habouanga, abou yangzi. Enga kunda bouan, mboba zaba binyabour, ande binyabour, mbobanga zaba bouan. Ande fibi ko kwa babi sikambong, biko kwa babi sikambang miya kwa babi, miya tsoka bi. Isi wan, enye wan, mboba neba zamba ban, bimvam bian. Tam duko na mende mbobor mamne na kor nan sangu na bi. Sin doni se imani vanga na be Yezuzu nzuk. Zambe e kamne mina hiyang mina mende mo bor man. Ngemi nami isangri zomi se imini mbo asana uwe. E sike fa ajo zamba ene min baben. Amwi babu seba uba bi yon e baksida. Imiya yenbi nyinga biaba ya boni boku uwa cha amu uute. Bovwa abu tuwa haba rezo sosyene ba tebor. Abu ka kakadulo anga ku uwa aksida nga metuwa. Mwa betuhena bete binyaburu, bete mora nama, nomingi, bete bisia baba, bete bepe nyang baba ne binyaburu. E yang zomi ya ku kuwa sang, nge metuwa nyilu wumbi mburu. Nge bia mbia kwan mili, nge bila kwan. Makarmi na buwana bama, abendye bama tsendi nai. Mene zomu lo, menzika kankarzu kulu, zambi nyanga hama manga bia nala, mahemi ngang, abimte. Ok, merci. Le message a certainement été bien entendu. On a vu le dernier mot, Abimte. Alors, merci d'être passé chez nous. C'était une émission quand même assez enrichissante, la toute première de 2022. Merci beaucoup et je vous remercie. Vraiment, Info TV, j'aimerais toujours venir. D'accord. Qu'on cause même avec, pour d'autres choses, pour continuer toujours à édifier les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin, parce que les gens...
cherchent quelque chose. Bien sûr, Ils la sont jeunesse a perdus. besoin, voilà, Voilà. d'être éclairée, Ils hein. ont besoin de ça maintenant. Voilà, merci. Merci de nous avoir suivis. Passez déjà un bon début de week-end. On a la CAN Total Énergie. Le premier match, c'est dimanche au stade d'Olembé, à Cameroun-Burkina Faso. On dit déjà, on salue, on salue toutes les délégations qui sont au Cameroun, arrivées au Cameroun. Nous étions avec le patriarche qui a donné sa bénédiction aux lions indomptables. Il a parlé d'amour. D'amour. Alors, sans plus tarder, nous allons vous laisser à la suite des programmes d'info-télévision. On dit merci à Ben Val, ce réalisateur. Merci à toute l'équipe, à la supervision générale du Denimbeng. Et puis, on espère que vous serez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne soirée.